Coucou Mélo! Willy! C'est un truc de ouf ce qui se passe, quoi! On n'a jamais vu ça! Eh, le monde entier est confiné, quoi. Mais c'est clair! Et t'es parti de Paris, toi, du coup, ou... Oui, moi je suis partie, je suis à l'île de Ré chez Hugo, donc Ah, c'est cool! cool. Moi, ça va, j'ai pas trop peur de rester dans mon petit studio à Paris. Je pense que je vais gérer. Hey! Hey Mélo! Ça va? Ouais, ça va, bah je fais mon petit jogging, je reste à la maison, tranquille. Confiné au KLM, au calme. Voilà. Et sinon, quoi de neuf? Mètres carrés, mais non, mon appart, il fait 18 mètres Mais carrés. sors! Mais sors! Fais quelque chose! Sors! Sinon tu vas mourir! Mais non, justement, si je sors, je vais mourir. Mon masque. Qu'est-ce que j'ai fait de mon masque? Je fais des allergies alors que je sors pas de chez moi. Comment c'est possible? Explique! Mets ton On va masque, mets en ton masque, mets ton confiner. masque. Voilà. Bien mis là. Comment? Mais Audi? Mais Audi? Mais Audi? William? Ah, Hugo! Non, c'est Nino, le fils de Mélo et Hugo. Mais tu Ah, te oui. souviens? C'est vrai. Appelle donc ta mère, s'il te plaît. Elle est morte, Will. Oh non. Mais t'as qu'à retourner dans le passé. Tu sais, grâce à l'iPhone 146, on peut voyager dans le temps maintenant. Stylé! Coucou Mélodie! Mais Willy, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air super vieux. Ah! C'est parce que la machine a remonté dans le temps, elle te ramène dans le passé, mais tu rajeunis pas! Quoi? Salut tout le monde, c'est Captain Obvious. Bienvenue au JDC, le journal du confinement. Ça y est, c'est bientôt la fin du confinement. On va bientôt pouvoir sortir sans attestation. N'empêche que pendant le confinement, on a découvert nos potes sous un autre angle. T'as ceux qui restent calmes et respectent les consignes, mais en restant toujours sur leur garde. Allez, Chin, à la tienne, hein! Non merci, j'ai bu une bière la semaine dernière, faut que je me calme un peu. Oh, allez, on est en confinement! Mais justement, il faut rester alerte. C'est pas une blague, ce virus. Juste une toute petite bière! J'ai suivi des tutos d'arts martiaux sur YouTube. Si c'est l'anarchie, je suis prêt au pire, mon gars. Moi, je pense que tu devrais prendre une petite bière, là. Et t'en as d'autres qui ont arrêté d'essayer. Ils vivent chaque jour comme si c'était leur dernier. Hier, on a fait une course de sac à patates en fumant des gros bédos jusqu'à minuit. C'était trop marrant! Non mais lol, vous êtes à fond dans vos délires quoi. J'ai vu un Netflix sur documentaire trop ouf. Quoi? Hein? Trop ouf. Ah oui, ouais. Il t'explique que si t'accouples un hibou avec une baleine, techniquement, ça donne un bébé dinosaure. Et What? donc, bah, Jurassic Park is possible, my friend. Non, mais pourquoi Possible. ces deux espèces-là exactement? Bah, je me souviens plus très bien parce qu'en fait, j'étais vraiment déchirée. Mais c'était Honey, let's go dance naked in the Wow. Oh my god, Non, Mais le 11 mai, on sera libre. Libre de pouvoir sortir plus d'une heure. Libre de se voir en vrai. Bien sûr, il faudra faire attention. Nous avons gagné une bataille, la guerre continue. Mais avec du courage et de la ténacité, nous pourrons enfin sortir. Oh là, non, je veux rentrer, moi. Trop de soleil. Merci d'avoir téma cette vidéo, wesh. Qu'est-ce que je raconte, moi? Continuez de liker, partager, allez sur Facebook, Captain Obvious. Et j'en profite pour dire un petit mot sur ceci, Iceberg. C'est le spectacle de ma compagnie Acid Drama, dans lequel vous avez vu un peu tous les comédiens, ma partenaire Mélodie Leblay. Et on est en train d'en écrire un second qui est déjà programmé pour 2021, qui s'appelle Arène. Et pour trouver des infos sur ces spectacles, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, le site officiel de la compagnie, et vous aurez toutes les infos. Et une fois qu'on sera déconfiné, on pourra retourner au thé et au cinéma! Captain Obvious.